Déjà, merci d'être là. C'est vraiment une idée très créative d'être venu, parce que pour un jour comme aujourd'hui, de venir m'écouter, c'est déjà quand même pas mal. Alors, je suis photographe, je me suis toujours intéressé à la photographie. Quand j'étais gosse, mon père collectionnait les appareils photo, mais les utilisait peu souvent, et j'ai donc fait des photos tout jeune. Et puis, par la suite, j'étais peut-être très sensible. En tout cas, toujours est-il qu'avec deux copains, on habitait Montreuil, on a commencé à visiter tous les musées parisiens pendant plusieurs années. Et je pense que c'est la conjonction de la passion de mon père pour les appareils photo, l'intérêt que j'ai toujours eu pour l'art, qui a fait qu'un jour, par la suite, après avoir fait... autre chose, j'ai été commerçant, je me suis ennuyé pendant quelques années dans un magasin. Je suis plus tard devenu photographe. Alors j'ai eu la chance de devenir photographe à une époque où la presse écrite avait une importance capitale pour tout le monde. Ce qui était quand même quelque chose d'extraordinaire à l'époque, parce que je suis devenu photographe en travaillant pour Libération. Il y a eu un concours de circonstances un peu particulier qui a fait que j'ai pu montrer mon travail à Christian Cojol, qui était directeur du service photo de Libération, et qui avait imprimé de sa sensibilité, de sa curiosité, ce que Libération est devenu, c'est-à-dire vraiment un forum où la plupart des photographes vraiment très créatifs de l'époque, que ce soit en France ou à l'étranger, tous ces photographes-là venaient voir Libération, et Libération était vraiment une sorte de carrefour où les gens voyaient leur travail, échangeaient, et ça a été vraiment une période absolument passionnante. À l'époque, on prenait le métro, tout le monde disait Libé. On était. Je pense que ça a eu une marque non seulement sur l'image, bien évidemment, parce qu'on en parle aujourd'hui, mais également, je ne sais pas ce que vous faites tous, mais s'il y a des gens qui travaillent dans la publicité, je pense que ça a eu aussi un impact dans les titres. Tous les matins, on était avide de ce que Libération allait donner comme titre. Et j'ai commencé à travailler. Pour Libé, en faisant un peu toutes sortes de reportages, des portraits. J'étais quelqu'un de très timide quand j'étais plus jeune. J'ai toujours aimé regarder les gens, les écouter. Quand j'étais gosse, mon père était un grand conteur. Et j'étais absolument fasciné par ce s'il racontait. Je me souviens avoir passé vraiment des moments absolument délicieux à écouter. J'adore écouter les gens. Et je dis ça à dessein parce que je pense qu'une photographie, ça délivre une histoire, ça raconte une histoire. Et peut-être que je tiens ça de mon père. Quand j'ai commencé à travailler pour Libé, bon, je faisais toutes sortes de reportages. Et il y avait quelque chose qui me manquait. J'avais vraiment besoin d'avoir du temps pour travailler sur un sujet, exprimer ma sensibilité, et puis exprimer des choses que je pensais à la fois sur le monde, mais aussi sur la photographie, sur les formes, sur entre guillemets, l'histoire des formes, qu'on pourrait peut-être... Enfin, c'est pas que l'histoire des formes, l'histoire de l'art, mais j'ai toujours été baigné dans le monde de l'art. C'est vraiment mon oxygène. Quand je vais mal, je vais... voir une exposition au théâtre ou écouter de la musique, et c'est quelque chose qui me sauve. Je pars un peu dans toutes les directions, mais pour en revenir à cette histoire d'art, pendant très très longtemps, d'abord au début, je n'ai pas pu dire que j'étais photographe.
Au début, je trouvais que c'était un petit peu prétentieux de parler de ce métier, alors que j'avais l'impression de pas tout à fait le maîtriser. Et par la suite, pendant des années, quand on évoquait le terme d'art dans la photographie, j'ai toujours eu des problèmes avec ça. Mais finalement, en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'en fait, l'art pour moi, c'est quelque chose de vital et que l'art, c'est vraiment une expression humaine dont on a tous besoin et c'est quelque chose dont on ne peut, à laquelle on ne peut pas échapper. Alors, bien évidemment, on peut parler aujourd'hui de ce qu'est devenu l'art dans nos sociétés, qui est devenu un art de loisir où tellement de gens vont voir de l'art sans parfois vraiment s'y attarder, l'éprouver, parce que ça peut être vraiment une expérience extrêmement forte. Bah, voilà ce que je pense. Quand j'étais à Libération, je travaillais, je faisais des photos donc, tous les jours, et ce qui me gênait, c'était donc de ne pas avoir vraiment d'espace à explorer. Et un jour, j'ai eu la chance d'être convié avec une dizaine de photographes à avoir une carte blanche sur le monde de l'opéra à Garnier. Au départ, on pensait faire une vente qui finalement n'a pas eu lieu, de tirages originaux, et réunir un peu d'argent pour la rénovation de la bibliothèque de l'opéra. Mais en tout cas, le travail s'est fait, et puis par la suite, il y a eu une exposition, etc. Mais ce qui a été extraordinaire pour moi, c'est quand j'ai passé les portes de l'Opéra Garnier en 88, j'ai été comme happé par ce monde que je trouvais absolument merveilleux. Parce que il était merveilleux pour plein de raisons. D'abord, c'est un monde de création où les gens se réunissent ils se réunissent parce qu'ils sont tous mus par une passion. Les chanteurs par la passion du chant, de la musique, les danseurs par la danse, les décorateurs par la passion de leur métier. Enfin, prenez n'importe quel métier qui exerce à l'opéra, ce sont des métiers de passion qui, un peu comme vous, sont curieux de se réunir, de vivre quelque chose de particulier ensemble. Et l'œuvre et ce qu'elle dit sur le monde importe plus que toutes les personnalités, que chacune des, enfin bon, des personnalités. Voilà. Et j'ai eu très vite l'idée que cette passion de l'opéra, comme c'est une passion qui a trait au répertoire, et que ce répertoire est commun à tous les pays d'Europe, j'ai très vite eu l'idée de faire un projet qui était un projet européen. C'était dans les années 90, on avait vraiment une soif d'Europe et qui était vraiment extrêmement forte et qui est peut-être difficile de ressentir aujourd'hui de la même façon. Et c'était formidable de voir qu'avec ce même répertoire, comment aussi bien les gens qui montaient les opéras, mais que le public vivait avec cette passion. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est comment, par exemple, l'opéra en Allemagne, c'est quelque chose qu'on va à l'opéra quand on est gamin, ça fait partie de l'éducation, mais quand vous allez en Italie, eh bien, c'est quelque chose de beaucoup plus festif. Aux arènes de Vérone, on y vient avec des sandwichs, du vin ou de la bière. Et il y a quelque chose qui... On vit cette chose-là d'une façon différente. Et ce qui était merveilleux, c'était donc de voir tout ça. Alors, dans tous les sujets que j'ai faits, qui défilent sous vos yeux, j'ai été extrêmement soucieux... Enfin, de toute manière, c'est même pas ça, c'est ma personnalité fait que je n'ai jamais attaché beaucoup d'importance à la position sociale où ce qui m'importe avant tout, c'est l'humain. Dans l'opéra, j'ai commencé à travailler aussi bien
sur les musiciens, que les chanteurs, que les choristes, que le public, mais que tous les gens qui travaillaient à l'opéra, vraiment sans aucune... ce qui m'intéressait, c'était de me retrouver dans cet espace-là et de voir comment les gens vivent entre eux. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? J'ai certaines idées par rapport aux images. Moi, je pense qu'une image, elle doit raconter une histoire. Alors, quand une image vous raconte une histoire, bien évidemment, elle ne vous la raconte pas en mots. Elle vous la raconte avec son propre outil, son propre langage. Mais c'est tout de même un langage. Et je pense qu'un jour, quand on a demandé à Edouard Bouba, qui est un des photographes que j'ai beaucoup aimé, que j'aime particulièrement, j'ai eu comme ça quelques idoles, si vous voulez, je vous en parlerai après, mais en tout cas, un jour, quelqu'un lui a posé la question de savoir pourquoi il faisait des photos. Et Bouba est un peu poète, je ne sais pas si vous connaissez son travail ou si vous avez vu L'Homme, c'était quelqu'un de très lunaire et qui avait le sens de l'ellipse et qui a fait cette réponse-là. Ah, pourquoi est-ce que je fais des images ? Images, images, magie. Et il a dit cette chose qu'en fait, que je pense, c'est-à-dire qu'une bonne image, elle doit être l'anagramme du mot magie. C'est-à-dire que c'est quelque chose, une image, c'est quelque chose en deux dimensions, mais qui doit avoir capturé dans sa forme, dans son essence, vraiment l'émotion d'une situation, et qui doit pouvoir la restituer et vous toucher. Et c'est un peu comme la lampe d'Aladin, vous frottez la lampe d'Aladin, et puis un génie sort de la lampe et vous raconte une histoire. Une bonne image, ça doit être ça. C'est-à-dire qu'une bonne image, vous y frottez votre rétine, et il y a une petite voix qui vous fait voyager. Et c'est donc, à mon avis, une image, c'est une échappée vers l'imaginaire. Elle vous raconte quelque chose qui est de l'ordre d'une fiction, qui est une fiction qui est bien évidemment commune à nous tous, mais qui est aussi très singulière pour chacun de nous. Elle doit nous emmener dans un rêve ou dans une fiction et vous raconter une histoire. Et ce que je pense, c'est que, bizarrement, en y réfléchissant, c'est que cette échappée vers l'imaginaire et vers la fiction, c'est une des plus belles façons de s'immerger dans nos réalités. Et donc, que d'une certaine manière, la fiction, c'est le plus court chemin pour aller vers la réalité. Alors, vers quelle réalité? Bien évidemment, c'est toujours un point de vue, une photographie. C'est un point de vue sur le monde, c'est un point de vue sur... c'est aussi une déclaration d'intention. Dans tout ce que j'ai fait dans les sujets que j'ai faits, même si vous voyez qu'ils ont traité beaucoup d'opéra ou des choses qui sont de l'ordre du domaine de la création, sauf peut-être le sujet sur le mariage, c'est... Je sais plus tout ce que je voulais dire. Bon, alors, on peut peut-être revenir au fil des trucs. Enfin, si vous avez une question, n'hésitez pas, vous pouvez peut-être essayer de m'aider. Donc, alors quand j'ai travaillé sur le monde de l'opéra, j'étais tellement fasciné par ce truc et c'était tellement riche parce que c'était pas que l'opéra. D'abord, moi, j'étais pas du tout un amateur d'opéra hein, quand j'ai commencé ce truc-là. Moi, je suis plutôt un amateur de jazz et j'écoutais de la musique classique, mais l'opéra m'emmerdait un peu, quoi. Et quand j'ai commencé l'opéra, je suis devenu vraiment un fou d'opéra. Et c'était tellement riche que j'ai travaillé pendant des années sur ce monde-là, à tel point que je me suis dit à un moment que j'allais être le photographe de l'opéra. Je n'allais certainement pas pouvoir faire un autre sujet parce que je ne pouvais pas m'arrêter. Et puis, il s'est trouvé que... Bon, j'ai été aidé par pas mal de gens. J'avais eu une bourse Villa Médicis-Orléans qui m'avait permis de faire tous ces voyages dans le monde de l'opéra. J'ai fait
L'opéra, c'est 88 jusqu'à 2001, c'est quand même une très très longue période. Et à un moment, quelqu'un m'a dit, bon ben ça suffit quoi, il faut quand même montrer le travail, faire un livre, etc. Le livre s'est fait, le travail s'est montré. Et ensuite, je ne savais pas trop ce qui allait arriver. Et j'ai eu vraiment peur. Comme à chaque fois que je termine un grand projet, je suis toujours tétanisé en me disant, mais est-ce que... Parce que j'ai un tel plaisir à développer ces sujets que je me dis, mais est-ce que je vais retrouver la curiosité, la gourmandise de trouver quelque chose qui va m'intéresser, qui va me porter. Enfin, ce que vous voyez là, c'est... je ne peux pas vivre sans photo, ou si, bien sûr, je peux vivre, mais je vis vraiment moins bien. J'ai vraiment besoin de cet espace-là pour pouvoir respirer. Je suis ensuite passé sur la mode. C'était... je travaillais régulièrement... Je prends pas trop de temps ? Ah bon. Je travaillais régulièrement pour Libération. Libération, c'est... oui, il y a un truc aussi qui a été très important à l'époque. C'est quelque chose qui est devenu naturel maintenant. Mais à Libération, souvent, quand on voulait parler d'un fait de société ou de n'importe quoi, eh bien, on partait de l'humain. On avait bien évidemment une vision générale, historique, avec plein d'autres qualités d'un événement, mais également, il y avait toujours des portraits qui permettaient de voir les choses d'une façon différente. Non, c'est fini. Alors, je ne sais pas comment. Quand j'ai commencé à travailler de cette façon-là pour Libération, finalement, ça a été ça qui m'a fait comprendre que ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la coulisse, ce qui était vécu par les gens. Alors, bien évidemment, quand je travaille un sujet, j'essaye pas d'être exhaustif, mais d'arriver à un moment où ce sujet prend une forme et que il vous raconte vraiment quelque chose sur le sujet. C'est-à-dire que j'ai tellement d'idées en même temps, c'est terrible. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Donc, la passion pour la coulisse est venue vraiment de Libération. Et quand j'ai eu terminé le travail sur l'opéra, ça a été naturel pour moi de travailler sur la mode, parce que Libération traitait toujours la mode du côté de la coulisse. Et pour moi, c'était extrêmement intéressant, parce que très vite, je me suis rendu compte que... j'espère que je ne vous ennuie pas, il y a beaucoup de gens avec leur téléphone... Ah bon, pardon, je ne sais pas trop ce que... Vous m'expliquerez comment ça marche. Je suis parti sur le mode de la mode. Alors, il y a un truc qui a été très intéressant pour moi en ce qui concernait la mode. La mode, ça ne m'a jamais intéressé, enfin, jusqu'à ce que je commence à travailler dessus. Je trouvais ça futile. Alors, c'est amusant parce que quand même, j'ai passé quelques années à vendre des jeans, avant de devenir photographe. Mais j'avais pas vraiment pensé que c'était quelque chose de très intéressant. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était vraiment un monde où tous les gens étaient passionnés parce qu'ils étaient mus vraiment par quelque chose qui les poussait à créer, à travailler ensemble. Et bien évidemment, j'ai changé très vite de l'idée par rapport à la mode. La mode, on ne vit pas sans mode, on ne vit pas sur... moi, même si je suis habillé un peu n'importe comment, je ne suis quand même pas habillé n'importe comment. C'est-à-dire que la façon dont je m'habille, c'est aussi une façon de me présenter à vous, et c'est ce qu'on retrouve dans la mode. Et comme dans l'opéra, j'ai pensé, mais si je fais un travail sur la mode, il faut que je fasse un travail surtout sur la passion de la mode. C'est-à-dire que
j'ai pensé qu'en fait, tous les gens qui travaillent dans la mode, eh ben, ils sont tous mus par la passion, que ce soit les très grands créateurs, mais aussi les plus mauvais. Et quand j'ai travaillé l'opéra, bon, j'ai pu le financer grâce à cette bourse Villa Médicis sur les murs, mais la mode, je l'ai produit avec des journaux. À la fin de mon projet sur la mode, j'avais travaillé pour à peu près une trentaine de journaux dans le monde entier. Et je disais à chaque fois que je travaillais sur la mode, sur les défilés, bon, d'abord, je travaille en noir et blanc. Si vous voulez, je vous parle du noir et blanc après. D'abord, je travaille en noir et blanc et je ne travaillerai pas en couleur jusqu'à la fin de mon travail, enfin de ce que je pensais de mon travail. Et ensuite, je me suis dit, il faut que je m'intéresse à tout le monde, mais pas que les grands créateurs, ceux dont tout le monde connaît le nom, mais également les moins connus, les mauvais aussi, et aussi tous les étudiants. Donc j'ai donc fait ce travail-là sur Paris, Milan, New York, Londres, mais j'ai aussi voyagé, j'ai fait toutes les grandes écoles de mode en Europe. Alors, il a bien fallu un jour terminer ce truc-là. Vous voulez qu'on arrête peut-être ? Non, mais je me disais que peut-être il y a des questions. Ah, il faut peut-être y aller plus vite. Non, c'est juste que si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Ouais, bah, interrompez-moi, s'il vous plaît. Non ? C'est ça ? Moi, j'aurais aimé que vous nous parliez des mutations de votre métier, parce qu'il se passe quand même des choses. Les agences disparaissent, elles meurent les unes derrière les autres, y compris Rafo. C'est intéressant de savoir votre point de vue par rapport à ça. Alors, ouais, c'est intéressant. Bon. Alors, c'est sûr que moi, j'ai connu la fin d'une certaine presse. Et c'était une presse papier que tout le monde disait, bien évidemment, avec l'éclatement du Internet et les techniques numériques, tout a changé. Vous voudriez que je vous parle de mon métier de photojournaliste, c'est ça ? Oui, mais dans le contexte actuel, c'est-à-dire comment vous, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe dans ce métier, quoi ? Alors, ce que je pense, c'est que un des dangers qu'on est en train de voir, mais c'est un danger qui ne concerne pas que la photographie, c'est un danger qui concerne la presse, enfin, la liberté d'opinion, c'est que le problème devient un problème de production, c'est un problème financier, et que on aura une presse de qualité que si on a des journalistes qui peuvent travailler. On ne peut travailler que si on est payé. Et donc c'est vraiment un problème économique qu'il va falloir de toute manière résoudre. Parce qu'on a vraiment besoin d'une liberté de la presse. Moi je vous parle de ça, je ne sais pas si je ne vois pas en quoi je suis vraiment... Moi je vous dis ce que je pense. Mais je ne vois pas en quoi je suis habilité à vous parler de ça. Enfin voilà. Et pour les photographes, c'est la même chose. Maintenant, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant. C'est comme auparavant, tous les grands sujets que j'ai faits ont pu être produits avec de l'argent. Le sujet sur l'opéra a été produit grâce à une bourse, à l'aide de Kodak, à quelques sponsors. Le sujet sur la mode a été produit par, je vous dis, une trentaine de magazines différents. Ensuite, j'ai fait. Je pensais à. À chaque fois, c'est un problème de production. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que c'est les réseaux. D'ailleurs, vous faites partie d'un réseau. On est ici grâce aussi au réseau, au fait qu'on communique et qu'on ait envie tous de se réunir aujourd'hui et d'échanger. Et maintenant, il y a. Permettre de donner un petit peu d'argent sur un sujet qu'on a envie de voir développé par un photographe. Et ça, c'est une des façons de faire. On ne peut pas faire autrement maintenant que d'envisager de faire des travaux aussi personnels en travaillant avec les entreprises ou en travaillant avec des gens qui ont... Ça, c'est une des réponses à ce que vous dites. Le numérique a changé beaucoup la donne. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à former mon œil et à former ma technique.
Aujourd'hui, on a accès à tellement de choses sur Internet que on peut former son œil. Il y a des dizaines de milliers de gens qui ont vu mon travail. J'aurais jamais imaginé ça avant Internet. Moi, j'ai les statistiques de mon site. Donc, on a un accès à l'expression humaine qui est extraordinaire. Alors, ça, bien évidemment, ça change la donne. Je ne sais pas du tout. À chaque fois que je me lance sur un projet, c'est toujours, d'abord, comment traiter le sujet. À la fois, dire des choses qui sont impersonnelles et du domaine de l'émotion, mais aussi qui est une plongée ou sur un métier, ou sur un sujet, ou sur une idée. Mais comment financer cette chose-là? Et donc, en dehors de ça, il y a une chose que vous ne pouvez pas voir là, puisque c'est moi qui ai pris la parole et qu'il n'y a pas de son. De plus en plus, j'ai tendance à... D'abord, je faisais que des sujets en noir et blanc. On peut parler du noir et blanc. Frédéric m'a posé la question. Moi, ce que je pense sur le noir et blanc, c'est un truc formidable, le noir et blanc, parce que ça permet de s'abstraire un peu de la réalité et d'être dans la même dynamique que celle que j'exposais tout à l'heure, que pour moi, une grande photo, c'est une photo qui évoque un univers avec une forme qui est forte, etc. Du noir et blanc, moi je suis d'une génération où les photographes qui étaient un peu curieux de photographie étaient surtout intéressés par le noir et blanc. Pendant tout mon travail, il y a eu de plus en plus de gens travaillant sur la couleur, et ce qui fait que un jour je me suis dit, il faut absolument que moi aussi je me frotte à la couleur. Et c'est le sujet que vous avez vu, puisque ça passe en boucle, que vous avez vu sur le ballet d'opéra. Donc celui-là, je l'ai traité en couleur. Mais très vite aussi, je me suis dit, mais on pourrait peut-être faire intervenir du son. Et sur le sujet qui est en train de passer à l'écran, c'est un sujet qui s'appelle Paris d'amour. J'avais cette idée que je ne voulais plus me cantonner à des sujets qui étaient uniquement sur le monde de l'art, mais que j'avais vraiment envie de me frotter à un sujet plus social. J'ai été absolument outré, énervé, apeuré par le fait qu'à chaque fois qu'on a vu une élection se passer toutes ces dernières années, le thème de l'immigration et le thème de la peur de l'autre est arrivé. Moi, je fais une petite digression pour parler du sujet, et après je vais revenir au fait de voir mon métier un petit peu différemment et d'élargir dans ses modes d'expression. J'ai eu envie, j'ai donc fait ce sujet qui s'appelle Paris d'amour. Ça a été... j'avais envie de... Moi, je suis un fils d'immigré. Quand mes parents sont venus en France, ils sont venus parce qu'ils fuyaient les pogroms en Europe centrale. Ils sont venus s'installer en France. Ils avaient l'espoir de venir dans la patrie des droits de l'homme et de la liberté de la presse, enfin de toutes ces libertés qui nous semblent acquises, normales dans nos vies quotidiennes et qui finalement, quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans les printemps arabes, n'est pas si évidente que ça. Et j'avais donc, je me suis dit, plutôt que de prendre un sujet qui parle de l'immigration, des choses, de la difficulté de vivre au jour le jour, on peut dire exactement la même chose, mais en envisageant le thème de l'amour. Je m'explique. Je n'avais pas envie de faire un sujet particulièrement sur le mariage. J'avais envie de faire un sujet sur cet événement particulier qui fait que quand on se marie ou quand on va à un mariage d'amis ou de la famille, d'un seul coup, on oublie un peu les soucis de nos vies quotidiennes et on va se retrouver au milieu d'amis, on va accompagner
les mariés, etc. Ou quand on se marie, on a ce rêve d'amour qui est en fait un rêve de générosité. C'est-à-dire que les gens qui se marient, ils sont prêts, par amour, à se livrer à quelque chose qui est commun à deux personnes. C'est particulièrement, c'est un rêve de générosité. Et quand les gens les accompagnent, c'est pareil. Il y a un truc particulier aussi en France, c'est que quand on se marie, puisqu'on est dans un État, dans un laïque, on se marie à la mairie. Vous n'avez pas le droit de vous marier à la synagogue ou à l'église si vous n'êtes pas marié d'abord à la mairie. Et quand on se marie à la mairie, c'est pas... Ça, quand on y réfléchit, c'est on se marie face à la communauté, c'est-à-dire à tous les gens qui sont dans notre société avec lesquels on vit. Et donc, mon idée, ça a été, je prends Paris, c'est une tête d'épingle à l'échelle de la planète, et y a, quand vous regardez le nombre d'origines, de nationalités différentes, de pays différents à Paris, mais c'est phénoménal. Et quand on entendait, pour en revenir à l'histoire politique, quand on voit comment les gens essayent de fermer les frontières, etc., c'est un combat d'arrière-garde. C'est l'homme, à partir du moment où il acquiert sa liberté, il a un projet de vie, il a envie de se réaliser aussi bien dans son métier, mais que dans sa vie personnelle, rencontrer quelqu'un, vivre une histoire d'amour, avoir des enfants, et que les enfants puissent faire la même chose, circuler librement, etc. Donc j'avais envie de montrer ça. J'ai donc, d'abord, je n'ai pas pris Paris, seulement Paris, j'ai pris Paris et le Grand Paris, parce que à Paris même, il faut vraiment avoir beaucoup d'argent pour pouvoir y vivre. Donc, sitôt que vous fondez une famille, ben, vous êtes souvent tenu de vous exiler à Saint-Ouen, et puis parfois plus loin, pour tout simplement vivre la vie que vous avez envie. Et donc, j'ai fait une sorte de traversée, comme ça, dans toute la société, qui partait des gens les plus modestes jusqu'aux gens les plus riches, enfin, je sais pas comment dire, et j'ai essayé de faire un panel suffisamment important pour que j'ai l'impression que j'avais, à ma modeste mesure, fait une sorte de portrait de nous. J'imagine que vous habitez tous Paris ou en région parisienne. Et donc j'ai photographié 70 mariages dans toutes les communautés. Et j'ai demandé, parce que je voulais pas que ce soit juste des photos, mais je voulais que ça ait un sens un peu plus... que ça porte un sens un peu plus loin. Et j'ai donc interviewé les gens. Et j'aurais demandé de me raconter, bien évidemment, leur petite histoire, comment ils se sont rencontrés, le premier baiser, le premier émoi, la demande en mariage. Mais je leur ai demandé de me raconter aussi comment ça se passait entre les parents, entre les communautés, et puis d'où ils venaient. D'où ils venaient, mais pas seulement eux. Les parents ou les grands-parents racontaient l'histoire de ces personnes-là. Donc j'ai pris des sons. Et donc, pour moi, le projet, c'était donc un projet qui devenait un projet multimédia. Et ça, c'est pour revenir à la question que vous évoquiez. J'ai fait donc une exposition et un livre dans lequel il y a ces transcriptions d'interviews. J'ai retrouvé les gens chez eux. Là, je n'ai pas mis dans la projection, mais j'ai fait toute une série de portraits photographiques. Et vous baladez, c'est un petit peu comme ce que je raconte, c'est-à-dire ça vous raconte une histoire, vous baladez auprès des gens que vous côtoyez dans le métro, que vous ne connaissez pas, vous rendez compte d'où ils viennent, leurs espoirs, etc. Et si vous les écoutez, vous rendez compte qu'ils sont comme vous. C'est-à-dire que moi, dans chaque mariage, je rencontrais quelqu'un qui me faisait penser à mon grand-père ou à un ami, et c'était très très amusant. Ça a été vraiment absolument merveilleux. Et quand j'ai fait ça à Paris, je me suis baladé dans le monde entier en faisant ce sujet-là. Et pour en revenir à ce que vous disiez, c'est-à-dire que maintenant, le travail
de la photographie. Il va être de plus en plus diffusé sur des canaux qui n'étaient pas les canaux que nous on connaissait, c'est-à-dire surtout la presse et l'édition. Maintenant, vous avez remarqué que l'édition a de plus en plus de difficultés et que mondialisation oblige, ce sont les gros éditeurs, ceux qui sont capables de fournir le monde entier, qui arrivent à faire de très beaux livres pas trop chers. Et donc, il y a un problème d'hégémonie artistique. Et je pense que de toute manière, notre désir de liberté, notre désir de connaissance, de création, ou ce qu'on veut, enfin, entre, création entre guillemets, ça m'avait d'ailleurs amusé d'être invité au Creative Morning, parce que je ne pense pas être très créatif. Et je pense que je fais juste les choses telles que la vie, mes goûts, les imposent à moi. Je suis pas... Bon. Et donc, pour en revenir à ce truc-là, il va y avoir de plus en plus de façons différentes de raconter les histoires. Alors, il y aura de la photographie, mais il y aura aussi beaucoup de sons, et de temps en temps, il y aura un peu de film, et ça va vous raconter une histoire. Et de plus en plus de photographes sont intéressés par ça. Il y a eu, ces dernières années, une grande tendance au webdoc. Alors, moi, j'ai certaines idées par rapport au webdoc. Je pense qu'il doit être d'une utilisation extrêmement rapide et très facile pour ne pas perdre l'attention de la personne qui le regarde. Mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus de gens et de photographes qui vont travailler dans ces directions-là. Ce qui n'enlève pas, juste, hein, donc on m'interrompt, ce qui n'enlève pas, pour moi, ce qui est essentiel. C'est-à-dire que moi, ce que je vous présente, là, ce sont des images uniques. Pour moi, chaque photo doit vraiment raconter une histoire et ne doit pas se répéter. Alors, bien évidemment, il y a des constantes dans mon travail, mais normalement, cette photo-là, c'est cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il y a 170 histoires. J'ai fait un diaporama de 170 photos. Et la photographie, l'image fixe, la photographie, pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce qui est merveilleux dans mon travail et dans le travail des photographes qui m'ont inspiré, qui m'élèvent. Moi, il y a certaines choses dans la vie qui m'élèvent. Mozart, Coltrane, je ne sais pas, ou Michel-Ange, enfin, ça m'élève. Mais il y a des photographes qui ont cette capacité, comme ça, à vous élever. Parce que... C'est lesquels ? Alors, moi... déjà, je vais parler de quelqu'un qui a été très important pour moi, qui était Willy Ronis. Willy a été mon plus grand ami pendant toutes les années qu'on s'est connus. Cartier-Bresson a été le premier photographe, enfin, Kertész d'abord, le premier photographe qui m'a vraiment transporté. Ensuite, Cartier-Bresson ou Eugène Smith ou Koudelka. Ce qui est merveilleux dans cette photographie, qui est une photographie prise sur le vif, c'est que d'arriver dans une sorte d'état second à réaliser une photographie qui se tient, qui a des lignes de force, dont certaines compositions rappellent telle ou telle chose de l'histoire de l'image, c'est-à-dire y compris l'histoire de l'art. Elle vous raconte à la fois un moment, mais qu'elle soit aussi un point de vue sur un événement, et que tout ça soit fait dans le courant de la vie, et que dans un état second, on arrive à faire quelque chose qui se tient comme entre guillemets une œuvre d'art. C'est quelque chose qui est absolument merveilleux et passionnant. Je vois un petit peu à regret que beaucoup de jeunes photographes se détournent un peu du reportage et font beaucoup de portraits, des choses posées. Je vois ça à regret, c'est l'époque qui est comme ça. À mon époque, c'était un petit peu différent. Mais il y aura toujours des photographes qui seront émerveillés par cette chose exceptionnelle que peut être la photographie prise sur le vif. Voilà. Une autre question. J'imagine que vous avez dû commencer avec l'argentique, évidemment.
Est-ce que vous êtes passé au numérique ou est-ce que vous avez refusé toujours jusqu'à présent, même si c'est plus compliqué aujourd'hui de faire de l'argentique, donc de passer? Alors, moi, mon point de vue, c'est que maintenant, le numérique est devenu meilleur que l'argentique. Donc, la question se pose pas. Enfin, je veux dire que moi, je n'ai pas de nostalgie particulière par rapport au médium. C'est sûr que quand j'ai été émerveillé les premières fois que je faisais des tirages de labo, quand on développe, enfin, c'est quelque chose de magique. Ça, c'est, d'ailleurs, c'est vraiment très, très joli parce que ça rappelle cette magie que c'est que de voir, que de comprendre, de sentir le monde, de donner une expression. Mais le numérique, maintenant, c'est devenu... C'est formidable. C'est vraiment formidable. Alors, y a des inconvénients. La mémoire, enfin le fait qu'on ne sait pas comment conserver le numérique, et que par exemple j'écoutais une intervention ce matin par rapport à la restauration des enfants du paradis qui a été fait en numérique. Ils ont scanné tout le livre, tout le film, ils l'ont retravaillé sous format numérique, mais pour être sûr de bien pouvoir le garder, ils l'ont repassé en argentique. L'idéal, ce serait ça. Il y a des photographes qui font ça, ça coûte très cher aujourd'hui. Mais si moi, je pouvais, pour tout le travail qui a été fait en argentique, parce qu'il y a la moitié du travail que vous voyez là, ou peut-être certainement moins, enfin, qui a été fait en numérique, j'aimerais pouvoir le mettre sur un support argentique, pour être sûr, qui se conserve dans le temps. Mais le numérique, je vais vous raconter un truc qui a son côté positif, son côté négatif. Le côté, voilà, c'est le fait de pouvoir voir la photo quand vous la faites. Alors le côté négatif, c'est que si vous regardez ça tout le temps, vous oubliez que la vie continue à se passer et que vous ratez certainement des photos. Alors ça, c'est une catastrophe. Quand vous vous rendez compte que vous avez pensé, vous avez regardé votre écran et que vous avez raté quelque chose, c'est vraiment, vous regrettez l'argentique, ça c'est sûr. Mais il y a une autre chose aussi, c'est que le photographe, il doute tout le temps. Parce que ce qui est merveilleux, c'est d'attraper le moment. Mais les choses vous fuient sans arrêt. Vous voyez les choses, vous voyez un truc, mais c'est trop loin. Vous voyez un truc, mais vous changez la carte de votre appareil, votre film. Enfin, vous êtes sans arrêt dans une situation de danger. Et ce qui est merveilleux, justement, avec ce petit écran, c'est que vous avez vu votre photo, et quand vous avez fait une bonne photo, mais ça vous file la pêche. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé, je me souviens d'un mariage chinois. On se retrouve dans le 13e arrondissement avec des gens délicieux. Bon, on commence à parler. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'occidentaux, c'est super. Puis alors, vous voyez des coutumes que vous n'avez pas l'habitude de voir. Enfin, c'est fascinant. On y mange merveilleusement. Et puis, je me lève, parce que je vois un truc, je fais une photo. Je regarde, formidable. je me rassieds, je mange avec appétit et tout. Et puis, à un moment, parce que c'est très addictif, la photographie. Enfin, le plaisir de la photographie. Enfin, il y a des photographes ici. Enfin, vous connaissez ça. Enfin, quand vous faites une bonne photo, mais c'est merveilleux. Enfin, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire. Et donc, je me relève parce que j'ai l'adrénaline et tout. Et puis, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais réussir à en faire encore une bonne? Ça a été un truc, toute la soirée j'ai fait des bonnes photos. J'étais mais dans un état, je pouvais à peine dormir après. Ça c'est merveilleux. Bon alors ça c'est pour revenir à cette histoire de numérique. Mais maintenant c'est quand même extraordinaire. On arrive à travailler avec des sensibilités tellement élevées. Moi qui travaille dans des situations de lumière difficiles, c'est extraordinaire, extraordinaire. Et les optiques sont bien meilleures qu'elles étaient avant. Enfin voilà, moi je suis pour ça, et puis on garde argentique, et puis quand les bonnes photos arrivent, on les reporte sur argentique, et puis voilà. On va arrêter là, la partie micro.